Mexique 2. Là, on fait bien attention, il y a un petit peu compliqué là. Qui arrive si dans le dénominateur ou dans ben repeated linear factor? Par exemple, si tu as une linear factor comme ça, cx plus 2, ce square, qui arrive quand il est repeated comme ça? Ça veut dire cx plus 2 fois cx plus 2. Là, qui peut arriver? Tu peux remarquer que si tu fais lui comme ça, allô, ça n'est pas pour une bonne. Qui tu peux besoin faire dans ce cas-là? Juste pour te gagner ta réponse. Premier, ça y a un linear factor. Quand tu as un linear factor, pas qu'à sa tête, tu veux dire un distinct linear factor, tu copies lui, tu mets une constante là-haut. Plus, à ce pour te tacler sa braquette là, ce square, qu'est-ce que tu peux besoin faire? Tu peux besoin mettre une constante, l'eau, sa première braquette là, là, tu ne pas prendre ce square. Plus, une autre constante, là, tu mets une braquette là, ce square. Tu es obligé de faire comme ça. Je ne sais pas si c'est l'autre qualité technique, comment tu peux casser ça, tu n'as pas pour gagner une réponse quand tu peux besoin de ça, tu n'as pas pour revenir comment là-bas là. Mais j'ai bien. Ça correct là. Linear facteur, tu mets un par top. Next, comment tu trouves un facteur comme ça, ce square, veut dire un repeated facteur, cx plus d fois cx plus d. Qui te fait? Tu mets un constant de sa braquette là, sans mettre ce square. Plus, là, next, un constant, l'eau sa braquette là, ce square. Là, qui dit décompose, il casse, devine beau. Sinon, tu pourrais marquer, il n'est pas pour une beau. Et que si arrive, même affaire, tu as une improper fraction, qui différence pour une entre improper, là, c'est des proper correct, A, B, C, tu travailles comme on m'a expliqué. Là, si arrive, il y a une improper, là, tu mets ça constant, là, mets un petit constant devant, plus un constant de ton premier distinct linear factor. Next, ça, c'est ici, là, comment tu tackles ça, quand tu as la braquette, ce square, tu mets un constant de CX plus D, plus un autre constant de CX plus D, ce square. OK, là, qui dit décompose. Right? Allez, moi, prends un exemple pour trouver. Allez, si moi, pour faire sa fraction, on a en partial fraction. OK, d'abord, nous check nos degrees. Degree of numerator qui était là. Maximum power of x, tu pourrais marquer les deux. En bas, degree qui pour venir, c'est besoin d'esprit. Ici, pour venir x square, ici, pour fois par x. X square plus gros ici, qui te pour fois par x, plus gros, tu pourrais gagner x power. Donc, x power 3. Ok, là-bas, on a raté là. Ce so, degree de 2 là, hein, parce que maximum power, les 2 là, la 2 là, ici. En bas, x square fois x, c'est bien x power 3. Mais déjà, les propres, si les propres, tu n'as pas besoin de casser la tête, de mettre un chiffre devant, travailler normal. Mais fais bien attention que tu peux trouver une sa repeated linear factor là. Une linear factor qui est repeated. Déjà, les x plus n fois x plus n. Ok, déjà, là, qui peut arriver, suivre. Si on a 3x square plus 7x moins 8, l'eau. X moins 2 qui pour fois avec x plus 1 sur ce square. Ok, allez, comment nous handle ça? Observe vos premières lignes facteurs. Les propres, pas besoin de fatiguer la tête, mettre un chiffre devant. Ou première ligne facteur ici, pas qu'à sa tête là-haut. Ça, c'est juste pour guetter, c'est pas les propres, les improper. Ah, ce n'est qu'observe, observe vos bonnes facteurs en bas. Si vous mettez x moins 2, comment vous handle ça? Un distinct ligne facteur, mettre un chiffre là-haut. Plus, ici, vous avez un repeated linear factor, x plus n fois x plus n, vous avez x plus n ce square. Comment vous handle un repeated linear factor comme ça? Qui vous fait? Vous mettez un constant, l'eau te prend x plus n par rapport à ce square commencement, plus te mettez un autre constant, ça va là te mettre ce square. Ok? Je suis capable d'essayer l'autre façon, je peux trouver que je peux gagner une réponse là-haut, mais quand tu peux joindre sa trois actions, tu n'as pas pour venir sa réponse au commencement là. Et tu peux besoin suivre ça comment il était. Right là, next. Parce que vous connaissez comment continuer. Travail la même facile, 3x square plus 7x moins 8. En bas, on a x moins 2. Ici, on a x plus 1 sur square. Ici, là, nous n'avons pas besoin de faire dénominateur la même pareille. Obligé de faire la même pareille, là, x moins 2. Ici, x plus 1 sur square. Mais comment vous handle là ou là, vous avez fait bien attention. C'est qui manque qui te rentre là, de la suivre. Ici, x moins 2 des 1. Vous pouvez besoin de suivre pas x plus 1 sur square. Fais bien attention, on a beaucoup de maillés en ça. Hein, maillé, ça. Ok, là qui sa dénominateur là pour venir pareil comme ça. C'est-à-dire, on a A qui pour besoin fois avec x plus 1 sur square. Plus, ici, get là, fais bien attention. Ici, tu fais attention. C'est-à-dire, juste x plus 1 te prend. Mais qui te manque? Tu manques x moins d plus sa n bracket là. Parce que x plus 1, tu as besoin fois avec x plus 1 pour venir x plus 1 sur square avec sa bracket là. C'est-à-dire, B là pour besoin fois avec x moins 2 qui manquait. Avec, on a encore un coup de x plus 1 manqué. Ça bout, on a beaucoup de maillets. Ça bout, c'est ce qui m'a fait faire là. Mais concentre le travail. Ok, ici x plus 1 sur square finit par être là. Mais là, tu as besoin de fois par x moins 2 ici, x moins 2 là-haut. Il vient c fois x moins 2. Ok, la last year où travail, comment on explique, des dénominateurs en bas de mine pareil, ou capable d'équater là-haut, for any value of x qui valide. Il est pour equal. Mais dire, on a 3x square plus 7x, retirer 8, l'égal, ici, il vient a fois x plus 1 sur square,
plus b fois x moins 2x plus n, plus dernier c, plus c fois x moins 2. Je veux dire, ça est valide for any value of x. Alors, nous remplaçons le valet x, nous allons remplacer x par, plus facile de mettre négative 1. Si nous mettons négative 1, nous pouvons arriver. Ok, suivre. Ça nous capable d'évaluer, c'est qu'il y a 3 fois dans le left hand side. Négative 1 sur square, plus 7 fois négative 1. Retirer 8, qui vient négative 12. Négative 12 égale, négative 1 plus n sur square, ça, dernière pour finir 0. Get ici aussi, on a négative 1 plus n. Si tu remplaces le valeur x, ça, ici, il n'est pas pour finir 0, mais ça, à cause de négative 1 plus n vient 0, ça, n'est pas pour finir 0. Next, ici, négative 1, négative 2 fait négative 3c. Divise négative 3c. Alors, valeur c pour finir négative 12, divise par négative 3 qui pour finir 4. Next, nous c'est n de valeur x. X, disons, on remplace par 2. Là, 2, ou quoi, pas remplace 2 là-là. Qui peut arriver ici, nous regardons qui peut arriver, left hand side, 3 fois 2 sur square, plus 7 fois 2, retirer 8, qui peut venir 18. Égal, ici, à 2 plus 1 fait 3 sur square fait 9. Ici, ça braquette là pour venir 0, ça termine là pour venir 0, ça termine là cancel, vous trouvez A pour venir 2. Ok, A est venir 2. Next, nous retirer à ce terme, il n'y a aucun chiffre qui te va remplacer pour faire qu'il braquette venir 0, ça fois là. Mais, tu peux remplacer un autre valeur x, disons 0. Prends une valeur x facile, facile pour le simplifier. 0, 0, négative 8, égale à, a sur valeur n infinie gagne 2, qui est a sur valeur 2, fois 0 plus n, fait à n sur square fait n, 2 fois n fait 2. Plus, b sur valeur n pas pour gagner. 0 retire 2 fait négative 2, 0 plus n fait n, n fois négative 2 fait négative 2. Plus, ici, qui est là, ne pour remplacer 0, 0 retire 2 fait négative 2, fois c n infinie gagne 4. 4 fois négative 2 fait négative 8. Ça fait négative 8. Alors ici, devient négative 8 égale 2 retiré 8 fait négative 6. Après, ici, pour venir négative 2b. Là, négative 8 plus 6 fait négative 2 égale négative 2b. Vous devrez marquer que b pour venir n. OK? B devient n. Alors, je vais copier mon réponse ici. Mon réponse qui vient. Je vais là, copier ici. Là. Right, nos réponses devient a. A qui nous gagne 2. Le premier ligne facteur. Plus b, b mon gagne n, le x plus n. Plus c, c qui mon gagne, c mon gagne 4. 4 le x plus n sur square. Alors, la autre réponse, et que n'est que checker si tu as besoin de ça, trois fractions, là, c'est une original fraction. OK?